Coucou les cupcakes, je vous prends, on est le mercredi 6 décembre, il est genre 10h30, mon réveil à 9h30 n'a pas sonné, j'ai la tête dans le pâté. Heureusement ça n'impacte pas mon après-midi vu qu'aujourd'hui je vais me faire tatouer. J'ai trop hâte. Bref, ça n'impacte pas ça parce que du coup je suis pas en retard. Mais bref, je vais prendre mon petit déjeuner, faire mon montage, c'est surtout ça en fait, je voulais avoir le temps de faire le montage tranquillou, préparer, maquiller, habiller, tout ça, donc on va quand même se speeder un petit peu. Et du coup là les enfants vont ouvrir leur calendrier de l'avant et je vous montre ce qu'ils ont. J'ai trouvé le 6 dans le lit. Il est juste là. Alors c'est quoi Bouy? Je sais pas si c'est un petit cadre avec une petite amande ou une petite fève de cacao, un truc comme ça. Ah, je crois qu'on refait elle-même. Tu sais, je peux voir. Oui, c'est le même. Attends, il est là, Lucien. Ah, oui, c'est le même. Ah, une petite fève de cacao. Maman, en plus, ça, l'année dernière, j'ai failli l'ouvrir. Où il est, le 6? J'ai trouvé le 6. Alors, attends. Je te laisse l'ouvrir, Bouy. Oh, trop chouette, dans ce calendrier, le mien de Père Noël. Que j'en avais déjà, mais c'est pas grave. C'est le même. Regarde, on a un même. Sauf que cette fois, il y a une liste. Et là, t'as eu quoi? Oh, une horloge genre style Big Ben. C'est pas Big Ben, mais cette horloge parce que it's the tea time. On avait déjà un. Oui, le sel, le trépied est à côté, mais j'ai la flemme de le mettre. Donc, je cherche le 6 de montée juste pour boire le thé ce matin. Oula. Je vous ai dit, la tête dans le pâté, là. Je l'ai trouvé. Il est tout en bas. Merci, sœur. Si on n'avait pas un sœur, comment on ferait? Ça sert à rien, je peux même pas le voir. Montre quand même, mais thé de Noël à la cannelle. Donc là, on est sur une bonne grosse allergique. Donc, non. Mais... pour ceux qui aiment la cannelle, un thé noir de Chine avec du thé noir. Il y a deux thés noirs différents. En plus, c'est trop bon les mélanges de thé. Écorce d'orange et morceaux de cannelle. Il y a quand même 3,9% de morceaux de cannelle. Donc, je ne vais pas tenter d'y goûter. Quand il y a des morceaux de cannelle, en général, ça coûte bien, quoi. Et bah, je vais le mettre de côté. Hein, voilà, puis je le donnerai. Mais du coup, je trouve quand même que le calendrier est très, très cool. Et la case, c'était celle d'en bas. Je vais me faire un thé à la menthe, pour la peine. Et aujourd'hui, je crois que Germaine, elle leur a ramené un truc. Voilà. Ça doit être pour leur sapin, parce qu'ils se plaignaient de pas avoir d'étoiles. Comme ils n'ont pas été trop chiants, elle sort une étoile de sa valise magique. Elle est mignonne, cette petite Germaine. Midi, les garçons, des spaghettis, des knackis. Bon, il n'y a déjà plus le knacki parce qu'ils ont mangé tous les deux. Un flambi pour Zou, pour Orphée. Et pour Zou, il y a un yaourt aux fruits. Moi, j'ai pris un reste de riz avec de la sauce soja et de la sauce sriracha. Ça fera l'affaire. Bon, du coup, il est midi 23. Je suis dans mon box, c'est juste que je tourne beaucoup. Et là, il faut que je trouve une tenue adaptée. Faut pas que j'ai froid, pas trop. Mais il faut que je puisse me faire tatouer. Sachant que je vais me faire tatouer au niveau de la hanche et au niveau de du bras. Du coup, il faut que sinon j'ai des manches longues que je puisse enlever facilement. Et pareil, il faut que j'ai une culotte au niveau de l'élastique que je peux décaler facilement. Puisque c'est au niveau de l'élastique de la culotte que je me fais tatouer. Donc maintenant, c'est pour faire le bon choix. Ah, c'est tout un truc hein, d'aller se faire tatouer. Du coup, nous allons aller fouiller dans le dressing. Let's go. Re-coucou, je vous prends, il est 13h20. On va décoller pour pouvoir aller du coup récupérer Chat, puis aller du coup voir Orlan, Vox Tattoo. Du coup, Vox Tattoo, je vous mettrai de toute façon ces infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je me suis habillée avec ce petit top chat que j'aime trop, petite jupette. Petit cardigan champignon, d'où le maquillage. Voilà, j'adore ce make-up. C'est un maquillage que j'aime beaucoup faire en automne-hiver, donc je suis contente. Et en plus, c'est un peu rouge-vert, ça genre vibes Noël quand même, tu vois. Là, on a les garçons avec les chats, Sœur finit de se préparer aussi, et let's go. J'ai emmené une Monster, faut pas déconner. Bouteille d'eau, Orangina, les petits biscuits, tout ça, let's go.
Bon, il est 18h36 et du coup je suis restée chez Chat au final ce soir. Du coup je sais que le vlog précédent vous l'aurez eu en retard et j'en suis désolée. Je sais que dès le début des vlogmas ça a chié dans la colle. I'm so sorry. Je pensais l'avoir mis en ligne, en fait je l'ai juste enregistré, j'ai pas mis publié. My bad. Vraiment, alors que je l'ai préparé exprès avant d'aller voir Orlan pour me faire tatouer. Je suis vraiment désolée, bon vous l'aurez avec un petit peu de retard et du coup vous aurez aussi celui-ci avec un peu de retard aussi. Demain ça sera la journée des retards. Sorry. Mais je profite parce que du coup ça me fait plaisir. Ce soir du coup je reste un petit peu chez Chat. Et je devais cette semaine aider pour les gâteaux à l'école. Mais au final j'irai pas le jeudi mais le vendredi. Donc du coup c'est parfait. Du coup sœur est rentrée, c'est elle qui s'occupe des enfants ce soir. Elle m'a dit oh reste avec Chat, t'inquiète, moi je rentre et tout, je m'occupe de chier, les emmener le matin à l'école et tout, donc ça c'est cool. Donc je vlog un petit peu d'ici. Et je tiens à vous dire que mes tatouages, j'en suis trop contente. Orlan elle a dead, ça, elle a vraiment fait ce que je voulais. Estroims, sachant que elle a eu un petit souci, l'imprimante de stencil, enfin qui pour imprimer ses stencils ne fonctionnait plus. Donc du coup elle a dû décalquer ses propres dessins en faisant un stencil à la main un peu à l'ancienne, mais elle a d'être ça, vraiment. Je suis très contente de mes nouveaux tatous et en même temps c'est tout ce qui compte puisque c'est moi qui les porte. Je vais essayer de vous les montrer après et voilà. Je suis trop contente et ça me fait quand même super plaisir d'être là et de voir Chat et surtout de voir ses copains aussi que j'aime beaucoup qui sont très très gentils. Voilà, ça me fait super plaisir de voir tout le monde en fait. Du coup j'ai contente. Mais du coup j'avais rien prévu. Donc je vais sûrement devoir lui voler des vêtements en guise de pyjama. Et j'ai quand même de la chance parce que j'ai toujours des protections de rechange chez lui, des linges démaquillants, du thé pour le matin et tout. Et du coup j'ai pas mon calendrier de l'avant. Mais bon c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut quand même, un minima, mon chargeur et tout. Ma soeur m'a même laissé sa demi-monster. C'est tellement émouvant. Je suis très contente, merci soeur, vous êtes trop mimes. Enfin, voilà, voilà. Du coup, je suis très, très heureuse d'être avec mon amoureux ce soir. Je vais profiter d'être un petit peu chez eux. En plus, il y a le feu de cheminée. Je trouve ça trop beau. J'aime trop. Je trouve ça so choupi et so apaisant, les feux de cheminée, tu vois. Voilà. Du coup, ça me met beaucoup de baume au cœur. Ça me donne un petit regain de coolitude. Cette journée est vraiment une belle journée. Tu vois, je me suis fait tatouer. Je suis avec mon amoureux. J'ai vu mes enfants ce matin. On a rigolé avec eux. Ils avaient fait une grosse cabane dans le salon. Et voilà, quoi. Vraiment, j'ai passé une super journée. Donc, je suis très contente. A savoir aussi que j'ai fait la coloration de Orlan au passage. Parce qu'après du coup dans son appart et tout, elle me dit « Ah, faut que je fasse ma couleur et tout. » Et elle avait une amie qui devait la faire, mais je dis « Ah, mais moi aussi, si tu veux, je peux t'aider. » Elle me dit « Ah, tu veux bien ?» Et en fait, j'ai eu le temps de la faire en entier, elle était trop refaite. Donc ça, c'est trop cool. J'adore ce genre de moment qui se transforme en super bon moment collectif et tout. C'était vraiment une belle journée. Enfin, je leur dis parce que c'était une bonne journée et ça m'a rendue heureuse. J'adore me sentir comme ça, c'est vraiment trop bien. Ça a été un peu galère, donc du coup je voulais montrer ce niveau à peu près de l'élastique de la culotte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre près de l'os, un peu vague, mais en gros je le voulais ici cacher parce qu'il est plus pour moi celui-ci. Et du coup je vais essayer de vous montrer le deuxième, du coup le Kirby, il est trop bien. Sachant qu'en plus là moi j'ai la peau qui gonfle énormément, donc c'est très gonflé, donc il y a certains traits qui ont l'air très fragiles alors qu'en vrai... ça va, et aussi à savoir que certains endroits elle a tatoué, il y a des petites vergetures et du coup la peau est pas bien nette, donc quand tu attires la peau c'est droit, mais quand tu relâches un peu la peau ça fait un peu moins droit comme effet. Il y aura des retouches et un jour peut-être que je le colorierai ou quoi, et je ferai peut-être réépaissir les traits à ce moment là parce que des fois j'aime bien que les traits soient plus épais que ça, mais en vrai j'en suis très contente et il me plaît à moi de ouf. Voilà, donc je suis conquise, je suis heureuse. Et en plus de ça, ça a permis à Orlan de checker un truc qu'elle rêvait de faire dans sa liste, un Kirby. Donc, deux pierres d'un coup. Enfin bref, voilà. Là, Chat et son coloc sont en train de geek sur LOL. Donc, je vais aller les rejoindre pendant qu'ils sont en train de faire leur petit game. Et voilà, je suis contente. Profitons de cette soirée en espérant qu'elle soit aussi cool que l'après-midi. Il n'y a pas de raison, en vrai, que cette journée ne se finisse pas de manière aussi bien qu'elle l'a commencé, puisque je fais dodo ce soir avec mon amour, donc ça va forcément bien pouvoir faire dodo câlin. Oui, je sais, on dirait une enfant quand je dis ça, mais j'adore le câlin. We'll be right back.
Coucou, je vous prends, il est 22h30, je pense que je vais me démaquiller. Je vais vous montrer, je crois, mais je suis en piche, genre, j'ai piqué un jogging et un t-shirt à chat. Je suis trop contente. On a bien mangé ce soir, c'est Alex et chat qui ont préparé le repas, et surtout Alex, chat, il a coupé les patates un petit peu et épluchées au début. Et du coup, ils ont fait des patates sautées, elles étaient très bonnes, ils m'ont fait un œuf au plat avec, c'était trop mignon. Sachant qu'ils se sont fait des gros burgers avec un œuf et tout, qui avait l'air très 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 bon. Après, moi je mange pas de viande, donc je vais pas en manger. Puis de toute façon, ça était beaucoup trop gros pour moi. Mais voilà, c'était vraiment un moment super cool. Et là, je me suis fait un thé à la menthe parce que du coup, chez Chat, j'ai une boîte de thé dans son armoire. Genre comme ça, quand je viens, je peux toujours boire du thé à la menthe quand je veux, sans taper dans leur truc. Tu vois, je trouve que c'est mieux. J'ai ma boîte de thé. Je suis peinard que ce soit le soir, le matin, la journée, quand je veux un thé. J'ai du thé. Voilà, donc là, je bois un petit thé à la menthe. Je profite un petit peu d'être assise devant le feu, ça fait trop bien pendant que chat fait des games avec Alex. Et là du coup je vais me démaquiller, comme ça je serai tranquille ou bilou prête pour tout à l'heure le dodo. Oh. Bref, cette journée qui était bien, continue à être bien. Ça fait du bien.